Praised be the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. So, once again, welcome to this specific program, Prison to Keep Your Victory or to Overcome. Encore une fois, bienvenue à ce programme Pressons pour garder la victoire ou Pressons pour être plus que vainqueur. Remember that in this particular time, we have decided to start pressing over and over. Rappelez-vous que pour ce temps particulier, nous nous sommes décidés de presser et de presser. And tonight, we are going to carry on with the same topic because it's a series of a specific teaching about greatness. Ce soir, nous allons continuer avec le même thème parce que c'est une série d'un enseignement sur la grandeur. So, as far as we are concerned tonight, pour ce soir, I'm going to ask you to be very, very careful because I'm going to attract your attention to some important elements that are going to help us to know how to grasp the greatness, to bring it out because it is already within us. J'aimerais énumérer certains éléments qui vont nous aider à conserver notre grandeur et qui vont nous aider aussi à appliquer la grandeur qui est en nous. Some questions will be asked. Et certaines questions seront posées. And you will be answering those questions from within. Et vous allez répondre ces questions-là en vous. And once you put the answers of the questions that will be asked from now on, you put them, you write them on a sheet of paper or in your diary, it will be very helpful to bring you somewhere. Quand vous allez écrire les réponses aux questions qui vous seront posées ce soir sur votre, dans votre agenda ou sur un bout de papier, ça va vous aider dans votre vie. So, before we start, would you please bow down and let us pray? Avant de commencer, est-ce que nous pouvons nous incliner en prière, s'il vous plaît? Father God, we thank you so much tonight because we are so loaded inside that we cannot have the strength to birth what you have invested in us. Tonight, Lord, we need your grace. We need your power to help us birth what is inside of us as greatness, as a seed of power and glory. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au right Seigneur. Now, let us, I think, we've stopped from one important scripture in the book of Acts of Apostles from chapter 8. La dernière fois, nous avions... Verse 9, we just go bit by bit downwards and then from there we will go elsewhere. La dernière fois, nous avions lu dans Actes chapitre 8 à partir du verset 9, petit à petit, ce soir. Acts chapter 8, verse 9. Yes, what does it say? The Bible says, now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. Verse 10. Can you please come back to the bottom of the last part of this verse? He boasted that he was someone great. He boasted that he was someone great. Yes. And all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed. So this man attracted attention of a lot of people, various people. Different people from the lowest to the topest, he attracted their attention. Cet homme avait attiré l'attention de beaucoup des gens, du plus petit au plus grand. And he was called great. Et il était appelé grand. So I think there is a question which is rising up, in my heart right now. Il y a une question qui monte dans mon cœur maintenant. If you feel like you are great. Si vous sentez que vous êtes grand, where did you get it from? Où est-ce que vous avez eu cette grandeur? You'll see and you have seen lastly that the greatness of God is always on top of every greatness. Vous avez vu dernièrement que la grandeur qui vient de Dieu est toujours au-dessus de toute grandeur.
Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Can you please carry on reading? This man is rightly called the great power of God. You see, there was even a sort of confusion. Il y avait même une sorte de confusion. They thought that greatness was coming from God. Ils pensaient que cette grandeur venait de Dieu. In the meantime, it was not. Pendant que ça ne venait pas de Dieu. Now, the reason why the church needs today to have the spirit of discernment. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Église doit avoir l'esprit du discernement. Like Paul met a woman, comme quand Paul avait rencontré une femme who was prophesying, qui prophétisait and talking good for him, qui parlait en bien de lui. But he realized from the spirit of the Lord inside of him, mais il avait réalisé à partir de l'esprit du Seigneur qui était en lui that it was a spirit of snake, python, que c'était l'esprit du python. And Paul took a decision to cast out that spirit. Et Paul avait pris la décision de chasser cet esprit. Can you try to figure it out if it was pastors of this generation? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que si c'était les pasteurs de nos générations d'aujourd'hui? Including myself, we could have said this woman is so serious. This woman is a woman of God. Nous pouvions dire que cette femme est sérieuse, cette femme est une femme de Dieu. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Now, can you please carry on to reading? 11. They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere. Astonished, you see, he followed, that is verse 13. You know, in the version that I do have here, it says, he continued with Philip. La Bible dit que il ne quittait plus Philippe. You know, you must know who are you hanging on. Tu dois connaître avec qui tu te tiens avec ou tu les personnes avec qui tu côtoies. Who are you sharing your business with? Avec qui tu partages tes affaires? Who are you working with? Avec qui tu travailles? Who are you walking with? Avec qui tu marches? You see, he realized that he was still very little or small. He was not great. Il avait réalisé qu'il était encore petit et qu'il n'était pas grand. Now, what is great in the kingdom of God? Alors, ce qui est grand dans le royaume de Dieu is not great in the kingdom of the world. N'est pas grand dans le royaume du monde. Unless you shift your mind into the kingdom of God, you can realize the greatness in the kingdom of God. À moins que tu transformes tes pensées au royaume de Dieu, c'est quand tu verras la grandeur là dans le royaume de Dieu. But whatever is great in the world is not great in the kingdom of God. Et tout ce qui est grand dans le royaume du monde n'est pas grand dans le royaume de Dieu. Because the kingdom of God is on top of the kingdom of the world. Parce que le royaume de Dieu est au-dessus du royaume de ce monde. If you don't know who are you associated with? Si tu ne sais pas avec qui tu t'associes, it's a problem. C'est un problème. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Please, can you carry on and then we... And he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. He was astonished. Il était étonné. Because, you know, he amazed also people. Parce qu'il avait aussi étonné les he autres personnes. He amazed ignorant people. Il avait étonné les gens qui étaient ignorants. You know, he attracted their attention. Il avait attiré leur attention. But when he saw Philip demonstrating the name of Jesus and the gospel of the kingdom of God, mais quand il avait vu Philippe démontrer l'évangile du royaume de Dieu, I think he assessed himself. He found himself very. Alors il s'est évalué lui-même et il avait trouvé qu'il était vraiment moindre. And then he was now following Philip. Alors maintenant, il suivait Philippe. Now, the Bible says he continued with Philip. La Bible dit qu'il ne quittait plus Philippe.
Because he found something more important than what he had. Parce qu'il avait trouvé quelque chose plus important que ce qu'il lui avait. Yes, carry on now, right now, please. Verse 4. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit. Yeah. Because the Holy Spirit had not yet come on any of them. Yeah. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Mm-hmm. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. Yes. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money. Yes. And said, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Praise the Lord. Will you please stop from there? I want you to understand this. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. He believed. Il avait cru. He was baptized. Il avait été baptisé. He saw what was happening from the laying hand on of the apostles. Il avait vu ce qui était arrivé après par l'imposition des mains des apôtres. In the version that I do have here. Dans la version que says, j'ai, la Bible dit. Give me this power. Donnez-moi ce pouvoir. He had a very good intention. Il avait une bonne intention. With wrong procedure. Mais avec une mauvaise procédure. This is what mostly happening in churches. C'est ce qui se passe aussi dans les églises. We still have a lot of people. Nous avons encore beaucoup de gens. They believed. Qui croient. They were baptized. Qui ont cru et qui ont été baptisés. And now they do have this good intention of serving the Lord. Et ils ont cette bonne intention de servir le Seigneur. And they do have this good feeling of receiving the power of the Spirit. Et ils ont ce sentiment de recevoir la puissance de l'Esprit. But the procedure. Mais la procédure. Sometimes they are forcing the Spirit of the Lord. It is not the Spirit, but it looks like the Spirit. Des fois, ils forcent l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais ils forcent ou ça semble être l'Esprit de Dieu. And sometimes they are twisting, they are making fake the Spirit of the Lord. Et des fois, ils sont en train de tordre ou de rendre faux l'Esprit de Dieu. And then, when you don't have the Spirit of discernment, alors quand tu n'as pas l'Esprit du discernement, you'll be behind them. Tu seras derrière ces gens. Good intention, les bonnes intentions, with wrong procedure. Mais avec une mauvaise procédure. Dear brothers and sisters, chers frères et sœurs, we must set up our mind according to the kingdom rules and principles. Nous devons fixer nos pensées par rapport aux règles du royaume et les principes du royaume in de Dieu. For us to benefit, pour que nous puissions bénéficier, every good promise that the Lord has released for our lives. Toute bonne promesse que le Seigneur a déclarée sur nos vies. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. One of the greatest principles. L'un des plus grands principes. As we set up our mind. Pendant que nous fixons nos pensées. In the upright way. Dans la justice. Is that God owns us. C'est que Dieu est notre propriétaire. There is no private ownership. Sorry? There is no private ownership in the kingdom of God. Il n'y a pas de vie privée dans le royaume de Dieu. So, whatever is in the kingdom of God. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu belongs to the Lord. Appartient à Dieu. Ourselves, we belong to God. Nous appartenons aussi à Dieu. Whatever we have belongs to God. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. The reason why. Raison pour laquelle even the spirit that we are receiving to operate in, même l'esprit que nous recevons pour opérer is from the Lord, vient du Seigneur and it must bring us to the upright way, et doit nous emmener dans la justice in order for us to express what is inside of us outside, pour que nous puissions exprimer ce qui est à l'intérieur de nous à l'extérieur. Now write down for those who are writing. Écrivez pour ceux qui sont en train d'écrire. First of all, to notice that you want to see the greatness of God being manifested in your life. Pour remarquer que la grandeur du Seigneur est en train d'être manifestée dans ta vie.
There is a procedure. Il y a une procédure. Because you are already loaded. Parce que tu es déjà chargé. There is a seed of greatness inside of you. Il y a la semence de la grandeur en toi. But there is a procedure. Mais il y a une procédure. Now, some of the questions as I've promised. Alors certaines des questions comme j'avais promis. First one. La première question. What makes you cry? Qu'est-ce qui te fait pleurer? In your life. Dans ta vie. Each and every day as you sit down, ask yourself. Chaque jour quand tu t'assois et tu te poses la question. What makes me cry? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Number two. Deuxièmement. What gives you energy? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Number three. Troisièmement. What makes you down? Qu'est-ce qui te rabaisse? Number four. Quatrièmement. What can you change within you? Qu'est-ce que tu peux changer en toi? Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Number five. Cinquièmement. Are you growing or are you backsliding? Est-ce que tu grandis ou est-ce que tu recules? Growing, it is much easier to grow spiritually. C'est plus facile de grandir spirituellement. To come to that, you must always read the Word of God and meditate on the Word of God. Pour arriver à ce point-là, tu dois lire et méditer la parole de Dieu. You must learn the Word of God. Tu dois apprendre à connaître la parole de Dieu. When you stop learning the Word of God, quand tu cesses de connaître la parole de Dieu, you stop growing. Tu arrêtes aussi de grandir. Remember, I've told you. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit. Every greatness comes with growth. Toute grandeur vient avec la croissance. As you grow, pendant que tu grandis, what is inside of you, ce qui est en toi comes out. Sort. Remember, I think for many of us watching this video, je crois que pour beaucoup d'entre nous qui nous suivent en direct maintenant, I gave my testimony as I was still 20 years old, a young boy of 20 years old. J'avais donné mon témoignage quand j'avais encore 20 ans. In that period of time, en ce temps-là, we used to apply on our cheeks a product, a cosmetic product that is it was made to bring beer outside. En ce temps-là, nous avions un produit cosmétique que nous étions en train d'appliquer pour faire pousser notre barbe. And it was like a lifestyle for all the young boys in that period of time. Et c'était un mode de vie pour tout jeune homme en ce temps-là, tout and jeune then, garçon. And when you apply it, you must just lay on your back all the night up until morning. Et quand tu appliques ce produit-là, tu dois dormir sur ton dos toute la nuit. Because you are expecting to have the beard out. Parce que tu t'attends à ce que ta barbe puisse pousser. I tried it several times. J'ai appliqué ce produit maintes fois. I can't tell you how much money did I spend to reach the target. Je peux même pas vous dire combien d'argent j'ai dépensé pour arriver au but. Nothing worked on. Il n'y avait rien qui marchait. But at a certain age. Mais à un certain âge, I did not apply something. Je n'avais rien appliqué sur but mon I've visage, seen it coming out. Mais j'avais vu la barbe pousser. I did understand. Et j'avais compris. It was because I've grown up. C'était parce que j'avais grandi. We've got capacities inside of us. Nous avons des capacités en nous. We've got abilities inside of us. Nous avons des habiletés en nous. But for them to come out, mais pour que ces habiletés ressortent, they need you to grow. Vous avez besoin de grandir. If you don't grow, si vous ne grandissez pas, whatever is inside of you, tout ce qui est en vous will still also baby. Va rester au niveau de bébé. Praise Jesus. Gloire à Jésus. If you did list up all the questions that I've asked right now, si vous avez énuméré toutes les questions que je vous ai données, que je vous ai posées maintenant, you will understand that. Vous allez comprendre. The journey to let your greatness out of you is not an easy road.
Le voyage pour ressortir la grandeur de toi n'est pas un voyage facile. Because you need the word of God to be meditated. Parce que tu dois méditer la parole de Dieu. You need the word of God to be practiced. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. You need prayer. Tu as besoin de la prière. And you need to have a mentor. Et tu as besoin d'un mentor. A person who can assess the level of your understanding of the word and your maturity. Une personne qui peut évaluer ton niveau de compréhension de la parole de Dieu et ta maturité. Because we've got also inside of us some limited abilities inside. Parce que en nous avons aussi des habiletés qui sont limitées. And those abilities cannot allow the greatness of God to appear. Et ces habiletés ne permettent pas à ce que la grandeur de Dieu ressorte ou apparaisse. Because sometimes they are hindering. Parce que des fois, ils préviennent the greatness of God la grandeur de Dieu de ressortir. Some of them are here, are listed. Et some of them are listed. Certains sont énumérés. Fear. La peur. Number one. Number two. Laziness. Deuxièmement, la paresse. Number three. Troisièmement, hatred. La haine. Number four. Quatrièmement, jealousy. La jalousie. Number five. Cinquièmement, ungratefulness. L'ingratitude. Number six. Numéro six. Lack of organization. Manque d'organisation. Because God is a God of order. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. You know, when the Spirit enters inside of you, quand l'Esprit entre en toi, the first thing it will do, la première chose que ça va faire, it will establish a certain order. Ça va établir un ordre. Because it's a spirit of order and a revelation. Parce que c'est un esprit d'ordre et de révélation. It will take things to come and reveal it to you. Ça va prendre les choses à venir et te les révéler. The first time Jesus entered the temple, la première fois quand Jésus était entré dans le temple, he did something tremendous. Il a fait quelque chose de merveilleux. I want us to go through it. J'aimerais que nous puissions Matthew lire ça. 21, Matthieu chapitre 21, from verse 12. Verset 12. Please, can you read it, please? Jesus entered the temple courts. Entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables. Can you please read it slowly? Can you go back to the first portion of the verse? Jesus entered the temple court. Jesus entered the temple court and drove out all who were buying and selling there. And drove out those who were buying and selling. He overturned the tables of the money changers. He overturned the table of money changers. And the benches of those selling doves. And the benches of those selling doves. It is written, he said to them. It is written, he said to them. My house will be called a house of prayer. My house will be called a house of prayer. A house of prayer. But you are making it a den of robbers. You are making it a den of robbers. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. See, if you try to sit down and calculate, you will find that you've been even stolen yourself. Si vous vous asseyez pour calculer, vous allez même réaliser que vous avez aussi volé vous-même. That you've been stolen. Oh, on a volé. Yourself, you've been stolen. You've been. Tu as été volé. Yes. Vous avez été and volé. Satan has stolen a lot of things in you. Et Satan a aussi volé beaucoup des choses en vous. Because you are not a place where people will buy and sell. Parce que vous n'êtes pas un endroit où les gens vont venir acheter et vendre. Because for you to bring out all the greatness that the Lord has invested in you. Pour vous de sortir toute la grandeur que Dieu a mise en vous, you must become the temple of the Spirit. Vous devez devenir le temple de l'Esprit. In other words, you must become a house of God. En d'autres mots, vous devez devenir la maison de Dieu. A house of God, la maison de Dieu, is
A very powerful house. Est une maison très puissante. A well-guarded house. Une maison très bien gardée. A well-protected house. Une maison très bien protégée. A well-designed house. Une maison très bien bâtie. That's who you are. C'est ce que vous êtes. I went in a country where I was mostly from my hotel to where we were going to preach. I was passing by the presidential house. Je suis allé dans un pays où l'hôtel où j'étais en train d'habiter n'était pas loin de la maison présidentielle. And the president was not even in that region. Et le président n'était même pas dans cette région-là. Once you reach that house of the president, dès que vous arrivez devant la maison du président, you cannot speed. You cannot speed. On ne pouvait pas conduire en vitesse. There is a limit. There is a speed limit. Il y a une régulation de vitesse. And the president not being there, et le président n'étant pas là, a lot of soldiers surrounding the house. Il y a beaucoup de soldats qui entourent cette maison. I did ask, is the president in for the moment? Et j'avais posé la question, est-ce que le président est là? They said, it is almost 1 year. He didn't even come here. Et ils m'ont dit que ça fait même une année qu'il n'est même pas venu dans sa maison. But the house well protected. Mais sa maison était très bien protégée. This is the house of a man. C'est la maison d'un homme. What's about you? Alors, qu'en est-il de toi? You, the house of the most high God, the kings of kings. Toi, la maison du Dieu vivant, le roi des rois. You cannot imagine and figure out how much you are protected. Tu ne peux pas imaginer combien tu es protégé. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Beloved, before we will be out of this confinement completely, avant de sortir complètement de ce confinement, I want you to be a how can I express it? I want you to be a mobile house of God. J'aimerais que tu sois une maison mobile de Dieu. Whenever you'll go out, à chaque fois que tu vas sortir. Even Satan will, when he looks at you from afar, même quand Satan va te regarder de loin, he will realize that person is very protected, is well, is very loaded, and he's surrounded by a certain power. Il va réaliser que cette personne est très bien protégée et que cette personne est bien entourée d'une certaine puissance. These things are yours. Ces choses t'appartiennent. But you are neglecting them because you want to live like a person of the world. Tu négliges ces choses parce que tu veux vivre comme une personne de ce monde. You need somebody with a gun next to you for you to feel protected. Tu as besoin que quelqu'un comme un garde du corps avec un revolver pour que tu te sentes protégé. A lot of presidents were killed with bodyguards. Beaucoup de présidents ont été tués avec les gardes du corps. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Now, I want you to understand. Alors j'aimerais que vous puissiez réaliser. You've got too much in you. Vous avez beaucoup en vous. To stay where you are. Pour rester là où vous êtes. Where you are. Là où vous êtes. It is not where you're supposed to be. Ce n'est pas là où vous devez normalement Because être. What you have in you. Parce que ce que vous avez en vous. Is great and too much. Est plus grand et c'est beaucoup. Don't worry about who is ahead of you. Ne vous inquiétez pas de ceux qui sont devant vous. You just keep growing. Mais continuez seulement de grandir. In the word. Dans la parole. Learning. Apprenant. And doing something. Et faisant aussi quelque chose. Who is ahead of you is not your problem. Celui qui est devant toi n'est pas ton problème. Don't even grieve your heart. Que ton cœur ne soit pas dans le chagrin. Because somebody is ahead of you. Parce que quelqu'un est devant toi. If somebody is ahead of you. Si quelqu'un est devant toi. Worthily. Sorry. Dignement. Dignement. It is his time. C'est son temps. You don't know how is he there. Tu ne sais pas comment il a fait pour être là-bas. You just follow the upright way. Toi, continue seulement à marcher dans la justice. There is always in God's timing. An appointed time. Dans le temps de Dieu, il y a toujours un moment, un temps opportun. Those who were great yesterday, ceux qui étaient grands hier are not great today. Ne sont plus grands aujourd'hui. Those who were famous yesterday, ceux qui étaient renommés hier they are not yet today. They are not again
great today. Ne sont plus grands aujourd'hui. Some have even passed on. Certains sont déjà même morts. But God's still keeping you for a purpose. Mais Dieu te garde encore pour un but. Amen. Because he wants whatsoever he has invested in you to come out. Parce qu'il veut que tout ce qu'il a investi en toi de sortir. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Did you understand what I'm saying? Est-ce que vous avez compris ce que je And dis? You must be flexible. Et vous devez être flexible. To notice that you haven't yet achieved. De réaliser que vous n'avez pas encore accompli certaines choses. Even if you feel like you are now great. Même si vous vous sentez que vous êtes grand maintenant. Greatness goes from measure to measure. La grandeur va de mesure from glory en mesure. To glory, power to power. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Don't stuck from where you are. Ne restez pas là où vous êtes. Don't feel like you have achieved. Ne pensez pas que vous avez accompli beaucoup de choses. Sit down. Asseyez-vous. Measure yourself. Mesurez-vous. Assess yourself. Évaluez-vous. And keep on growing. Et continuez à grandir. Keep on growing. Continuez de grandir. Keep on growing like the Tower of Babel. Continuez à grandir comme la tour de Babel. The target of that tower it was to reach the top, to reach heaven. Le but de cette tour de Babel, c'était d'atteindre le ciel. Up until you will be crowned in heaven. Jusqu'à ce que tu seras couronné au ciel. Don't be called the next great. Ne soyez pas appelé le prochain grand. Ex-great. Oh, l'ex-grand. Do not be called the next great. Ne soyez pas appelé l'ex-grand. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez ça? Praise Jesus. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Do not be called the next great. Ne soyez pas appelé l'ex-grand. Keep on with your greatness. Continuez de percer Up avec votre grandeur. You go with it in the grave. Jusqu'à ce que vous allez entrer dans if Jesus le sépulcre avec cette grandeur. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Keep on growing. Continuez Keep de on grandir. Learning. Continuez à apprendre. And have somebody who can guide your life. Et ayez quelqu'un qui peut vous conduire ou vous guider. Now, those who are proud, who have pride. Ceux qui sont orgueilleux. They do not have to have a mentor. Ils n'ont pas besoin d'un mentor. You know, when Jesus is calling a person of the earth, he's great. Quand Jésus appelle. He testifies about John the Baptist. Quand Jésus appelle une personne de ce monde grand, il avait témoigné à propos de Jean-Baptiste. He says John the Baptist is great. God saying that a man is great. Dieu disait qu'un homme était grand. If in your life, si dans ta vie, you don't have anybody, tu n'as personne, whom you consider great, qui tu considères who grand, can shape you, qui peut te tailler, you are proud. Tu es orgueilleux. May I bless the Lord, I've got one. Je bénis le Seigneur parce que j'ai quelqu'un. I do have one. J'ai quelqu'un. I had two, one passed on. J'avais deux, mais l'autre est déjà But mort. I'm still having one. Mais j'ai toujours une If personne. If I feel like spiritually I'm stuck, I am going to relate all my problems to him. Quand je me sens bloqué spirituellement, je vais aller le voir pour lui parler de tous mes problèmes. But you are Melchizedek, you don't have anyone. Toi, tu es Melchisédek, tu n'as personne. You know, sometimes pride kills, seriously. Vous savez, l'orgueil tue. That kills people, pride kills. S'il y a quelque chose qui tue les gens, c'est l'orgueil. And you know, the Bible says, et la Bible dit aussi, God resists Dieu résiste aux the orgueilleux. Proud, the proud people. Dieu résiste les orgueilleux. And he gives his grace to the humble. Et il fait grâce aux humbles. Sometimes you are so loaded. Des fois vous êtes vraiment chargé. But because of your pride. Mais à cause de votre orgueil. God is resisting the greatness that he has placed in you. Dieu résiste la grandeur qu'il a placée en vous. Once you make a step forward. Dès que vous faites un pas en avant. God is going to release it. Dieu va relâcher. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Amen. Now can we read this book of Philippians chapter 3 from verse 12. Philippians chapter 3 verse 12. Philippiens chapitre 3 verset 12. The Bible says, not that I have already obtained all this. Not that
I have already obtained. This is the greatest apostle of the Bible, Paul. C'est Paul l'apôtre le plus grand de la Bible qui parle. Says, not that I have already obtained all this. All this. Or have already arrived at my goal. I have not yet arrived at my goal. But I press on. I press on. You remember this marathon of prayer, of new, this confinement is let us press on to keep our victory or to overcome. Rappelez-vous que le thème de notre marathon pour le confinement, c'est pressant pour conserver notre victoire ou pressant pour être plus que vainqueur. Now, Paul said, alors Paul avait dit, I am still pressing on. Je continue de presser. For what? To take hold of that for which Christ Jesus took hold for me. Yeah. To take hold of that for which Jesus Christ took hold of me. What is that? C'est quoi ça? The heavenly call. L'appel céleste. It is the heavenly call that is important. C'est l'appel céleste qui est important. If we put it in priority, si nous mettons ça en priorité, it will guide the rest of the things for this on this planet. Ça va conduire les restes des choses says, sur cette planète. Let me press on for the heavenly prize. Il dit, je cours pour tâcher et saisir. Because Jesus took hold of me because of that. Parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Now, what was his secret? Downward, he's explaining his how did he come to that? Plus bas, il explique comment yes, il est arrivé. On reading. 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Mm-hmm. But one thing I do. One thing I do. Forgetting what is behind, and straining toward what is ahead. Praise the Lord. You know, sometimes we stuck on what is surrounding us. Vous savez, des fois nous sommes bloqués sur ce qui nous entoure. In the meantime, other people are moving, pressing on. Pendant que les autres sont en train de presser et de aller de l'avant. Whether we are being stuck by the past. Si nous sommes bloqués par le passé. And other people are pressing on going. Et certains sont en train de presser et aller en avant. And later on, you'll get old and you feel like you are tired. Et tu vas vieillir et tu vas te sentir fatigué. This is the time for you to maximize. Le temps est venu pour toi de maximiser. All the ingredients that the Lord has put in you to make them active. Tous les ingrédients que Dieu a mis en toi pour les activer. He gave you the capacity to pray. Il t'a donné la capacité de prier. He gave you his word. His word is in the Bible, and when you pray, the Spirit will reveal everything to you. Sa parole est dans la Bible, et quand tu pries, l'Esprit va te révéler toutes choses. He has given us all the potential. Il nous a donné tous les potentiels. What are we doing with that? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ça? Nothing. Rien. We are complaining every day. Nous nous plaignons chaque jour. You see, if you see somebody complaining, even from the smallest thing, he will never do anything. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un en train toujours de se plaindre, même pour les petites choses, il ne fera rien. They are brothers of the prophet Jeremiah. Ils sont les frères du prophète Jérémie. Lamentation. You feel people grieving for smallest things. Vous voyez les gens en train de pleurer pour les petites choses. Come on. That is not a good life for a child of God. Ce n'est pas une bonne vie pour un enfant de Dieu. Slide certain things off. Oublie certaines choses. Laisse passer certaines Push choses. Push them away and leave. Laisse certaines choses et continue de vivre. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. If you expect everybody to applaud for you, you are going to die empty-handed. Vous savez, si vous attendez à ce que les gens puissent vous applaudir, vous allez mourir main vide. I bless the Lord for He has given me a deliverance. You applaud for me. I don't care. You don't applaud. I don't care. Je bénis Dieu parce qu'il m'a délivré. My joy is perfect because Jesus is with me. Ma joie est parfaite parce que Jésus est avec moi. Je n'attends pas que les gens applaudissent pour moi. You do it. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, c'est bien. Good. Si vous me saluez, c'est pas mauvais. I will never call you because why didn't you call me? Je ne vous appellerai jamais pour vous demander pourquoi tu ne m'as pas appelé. Jamais. Never. Jamais.
I can see a lot of people are quiet. Je peux sentir que beaucoup des gens sont calmes maintenant. Otherwise, you'll stop living. Sinon, vous allez cesser de vivre. You'll get old easily. Vous allez vieillir rapidement. Live because God wants you to live. Vivez parce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Did you understand what I'm saying? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Live. Vivez. Live. Vivez. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Now, listen to this. If you want to see your greatness appearing, coming out of you, there is also one secret. Si vous voulez voir votre grandeur apparaître ou sortir de vous, il y a un secret. You must, I think I did say it lastly, but let me repeat it again for good understanding. Je vais le répéter pour une meilleure compréhension parce que je crois que je l'avais déjà mentionné avant. Galatians chapter 2 from verse 1. Galates chapitre 2 verset 1. Galatians chapter. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem. This time with Barnabas. I took Titus along also. Yes. I went in response to a revelation and meeting privately. You see, he went to Jerusalem. The second time, it was by revelation. La deuxième fois qu'il est allé à Jérusalem, c'était par révélation. You see, a true revelation comes from God. Une vraie révélation vient de Dieu. In other words, en d'autres mots, God sent this apostle. Dieu avait envoyé cet apôtre to Jerusalem. À Jérusalem. He took Barnabas. Il avait pris Barnabas. To do what to Jerusalem? Pour faire quoi à Jérusalem? Read that. Presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted no, to. No. Can you come back? There is something important that he mentioned. He went to see who. I went in response to a revelation and meeting privately with those esteemed as leaders. You see, he went to those who were in the vision that I do have here. It says he went. Those who were considered as a pillars of the gospel. La Bible dit qu'il est allé voir ceux qui étaient considérés comme des piliers dans l'évangile, de l'évangile. To expose what he was doing. Pour exposer ce qu'il faisait. And to see if he was right or not, or wrong. Pour voir s'il faisait les choses correctement ou pas. In order for him to receive from them a hand of association. Pour qu'il puisse recevoir d'eux une main d'association. Now, carry on. What is it saying now at the bottom? I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. Yes. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Wow, listen to this. Paul was called by Jesus. Paul avait été appelé par Jésus. He was in his journey going to Damascus to arrest some of the Christians. Pendant qu'il était sur son voyage à Damascus pour arrêter les chrétiens. He met Jesus in that way. Il avait rencontré Jésus sur son chemin. Even the gospel that Paul was preaching was received from Jesus. Même l'évangile que Paul prêchait était reçu par Jésus. Regardless all these things. Malgré toutes ces choses, the Spirit spoke to him to go back to Jerusalem. L'Esprit l'avait parlé de rentrer à Jérusalem. Go and expose what you are preaching. Va exposer ce que tu prêches. If they will assess it, if they will accept it or not. S'ils vont accepter ou pas. And then what did they say? Alors qu'est-ce qu'ils avaient dit? Verse 3. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. No. Come back, go on top of that scripture where he exposed the gospel. What did they say to him? Verse 2. I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Yes. Verse 3, yet not even Titus, who was with me,
was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. Praise the Lord. You see, now you try to compare what Paul did and what the other apostle did. You know, Paul did not meet Jesus physically. Paul n'avait pas rencontré Jésus physiquement. But when you assess the work, Paul worked a lot more than them. Mais quand vous évaluez l'œuvre, Paul avait beaucoup travaillé par rapport aux autres. They were much considered. Ils étaient plus as pillars of the gospel in Jerusalem. Ils étaient plus considérés comme des piliers à Jérusalem. And Paul had to go there. Et Paul devait aller là-bas. To expose what he was doing. Pour exposer ce qu'il faisait. If you want to become great, si vous voulez devenir grand, consider those who are already great. Considérez ceux qui sont déjà grands. Walk in their steps. Marchez dans leurs pas. But you see, it's a very simple test. C'est un simple test. If you see somebody very proud, quand vous voyez quelqu'un qui est très orgueilleux, he doesn't have even a mentor. Il n'a même pas un mentor. He cannot even expose what he's doing to those who are great. Il ne peut même pas exposer ce qu'il fait à ceux qui sont grands. There is nothing in him. Sometimes he can help something, but he will still waiting for it to come out. Up and he will take a risk of dying with that inside of him. Il va prendre un risque de mourir avec cette chose en lui. Praise Jesus. Gloire à Jésus. And do the best. And do your best or do the best. Fais le meilleur ou fais ton meilleur. To become good before your greatness appears. De devenir bon avant que ta grandeur apparaisse. If your greatness appears before you are good. Si ta grandeur apparaît avant que tu deviennes une bonne personne. It will be for a short period of time. Ça sera pour un petit cours de temps. Because your character. Parce que ton caractère will destroy it. Va détruire ta grandeur. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Amen. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez ça? Now. Listen, can we read this scripture which is very very important as well to understand? 1 Corinthians chapter 3 from verse 9. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre verset 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, yes. The Bible says, we've read it. Yes, come back to that. For we are co-workers in God's service. For we are co-workers in what? In God's service. In God's service. You are God's field. You are God's field. God's building. God's building. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Take the first portion of the verse. It says, we are co-workers in God's service. We are co-workers with who? With God. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Remember that if you don't work with God, rappelez-vous que si vous ne travaillez pas avec Dieu, don't even talk about greatness. Ne parlez même pas de la grandeur. You do everything with God. Tu dois faire toutes choses avec Dieu. You do everything with God. Tu fais toutes choses avec Dieu. God is in the business of doing great things with the church. Dieu veut faire des grandes choses avec l'église. Because he paid the price for the church. Parce qu'il avait payé le prix pour l'église. He wants his church to be lifted up. Il veut que son église soit élevée. If you are not co-workers with God, si tu n'es pas ouvrier avec Dieu, it will be very difficult for you to succeed. Il sera, because you are taking a risk of being a prey of Satan. Il sera très difficile pour toi d'avoir le succès parce que tu prends un risque de devenir la proie de Satan. Now, I want you to understand. Alors, j'aimerais que tu comprennes. In this remaining time, I want to introduce something which we will develop Friday. J'aimerais introduire quelque chose de nouveau que nous allons développer en détail le vendredi. It is not easy to give birth. Ce n'est pas facile de mettre au monde. You cannot give birth without pain. Tu ne peux pas mettre au monde sans pour autant connaître la douleur. I think all of us,
Je crois que tout le monde, we should understand tonight, nous devons comprendre ce soir, the way we should behave, la manière dont nous devons nous comporter, must be like pregnant women, doit être comme une femme enceinte. Because they walk under a certain discipline. Parce qu'ils marchent dans une certaine discipline. Because they are protecting what is precious inside of them. Parce qu'ils sont en train de protéger ce qui est à l'intérieur d'elles. They don't take any medicine. Elles ne prennent pas n'importe quel médicament. Because that medicine can destroy the child. Parce que ce médicament peut détruire la vie de l'enfant. They are prevented to drink alcohol. Elles ne sont pas permises de prendre de l'alcool. They don't take any food. Elles ne mangent pas n'importe quoi. Why? Pourquoi? Because they are protecting what is inside of them. Parce qu'elles sont en train de protéger ce qui est en elles. It is what is inside of you that will cause you a great joy. C'est ce qui est en toi qui va causer une grande joie en toi. Which discipline are you walking? Are you in? Let me ask that question. Which discipline are you in for you to protect what is inside of you? Quelle discipline as-tu pour protéger ce qui est en toi? If we don't behave like that, si nous ne comportons pas comme ça, we will never make it. Nous n'allons jamais avoir le succès. You see, let me. I've observed. Vous savez, j'ai observé that a lot of we Christians, que nous, all of us, que nous chrétiens. We don't have a certain discipline. Nous n'avons pas une certaine discipline. Even in terms of food. En termes de nourriture. In terms of spending money. En termes de dépenser de l'argent. In terms of even speaking. En termes même de parler. We do what we feel like. I feel my feeling pushing me to do. Let me do it. Nous faisons ce qui nous semble bon de faire. That's what we are. C'est ce que nous that's sommes. Who we are. C'est ce que nous sommes. There is no discipline. Nous n'avons aucune discipline. Now, the question is very simple. Alors la question est très simple. Are we really disciples of Jesus? Est-ce que nous sommes vraiment les disciples de Jésus? Or sometimes we do organize scout meeting in churches. Ou des fois nous organisons des réunions des scouts à l'église. There is no discipline. Nous n'avons pas de discipline. Nothing. Rien, aucune Some discipline. Can start it today. Certaines personnes peuvent commencer aujourd'hui. After 3 weeks, après 3 semaines, they would backslide. Ils vont reculer. They will tell you that, oh no, I will start again tomorrow. Ils te diront, je vais commencer demain. Somebody told me, not in Johannesburg, but outside. Il y a quelqu'un qui m'a dit, cette personne n'est pas ici à Johannesburg. As he was busy, he was praying. Pendant qu'il était en train de prier. And mostly he is a violent person. Et de nature, c'est une personne violente. But he went somewhere. Mais il est allé quelque part. Where they were discussing. Là où les gens étaient en train de discuter. He said, if I was not fasting. Il avait dit, si je ne jeûnais pas, they could have seen who I am. They could have noticed who I am. Ils allaient bien remarquer qui je suis. But I did not manifest myself because I am fasting. Mais je ne me suis pas manifesté parce que je suis en train de jeûner. And I told him, et alors je l'avais dit, now, if you are not fasting, alors si tu ne jeûnes pas, he told me clearly, I'm not hiding myself. They could have seen who I am. Il m'a dit clairement que je ne me cache pas. Ils allaient bien voir qui je suis. You see, there is no discipline. Only when you fast. Il y a pas de discipline seulement quand tu jeûnes. And I've noticed that when we are fasting. Et je remarquais aussi que quand nous jeûnons, everybody is kind. Tout le monde est gentil. The way everybody greets and we say, "Hello, how are you?" Tout le monde everybody est gentil. After the fasting prayer. Après le jeûne, la prière de jeûne. You see, everybody's like he is now out of his carcass. Alors maintenant, vous voyez les gens sortir de leur carcasse ou de leur peau. This is not a Christian life. Ce n'est pas la vie chrétienne. This is not a Christian life. Ce n'est pas la vie chrétienne. Now, I've noticed as well. J'ai aussi remarqué. The time no one was walking on the street this time of confinement.
pendant le moment de confinement où personne n'était permis de sortir. When people, when the media was announcing the number of people who died. Quand le média était en train d'annoncer le nombre de gens qui mouraient. From the spirit, I could hear how people were praying. Dans mon esprit, je pouvais entendre combien les gens priaient. Now the situation is a little bit okay. Maintenant que la situation s'est apaisée, some people are not even praying. Certaines personnes ne prient même plus. This is who we are. C'est ce que nous sommes. So that's why God wants to frustrate us for us to go back to Him. C'est pourquoi Dieu nous frustre pour que nous puissions retourner à Lui. Keep sharpening yourself. Continue à te tailler. It will be very useful. Ça sera très utile. Don't hold names of people in your heart. Ne garde pas les noms des gens dans ton cœur. No. Jamais. It is like you are stopping yourself going forward. C'est comme si tu préviens à ce que tu ailles de l'avant. There is only one name to be kept. Il y a seulement un seul nom qui doit être gardé. The name of Jesus. Le nom de Jésus. The name of Jesus. Le nom de Jésus. And that is the name which is going to bring greatness outside. Et c'est ce nom-là qui va sortir la grandeur. There de is toi. One of my favorite scriptures in the book of Colossians chapter 3. Il y a une écriture qui est favorite que j'aime dans Colossiens chapitre 3. Can we read it before we finish now? Nous allons la lire avant de clôturer. Colossians chapter 3 from verse 1 to 3. Colossiens 3 verset 1 à 3. The Bible says, since then you have been raised with Christ. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Set your heart on things above. Where Christ is. Where Christ is. Seated at the right hand of God. Seated at the right hand of God. Set your minds on things above. Set your mind on things above. Not on earthly things. Not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in For God. For you died and your life is now hidden with Christ. In God. In God. Carry on. When Christ, who is your life, appears. When, that's the most interesting part that I like. When Christ, who is your life. You know, sometimes before me, I react to certain things. Savez-moi, avant de réagir à quelque chose, I just try to figure out if Christ was living now. J'imagine toujours que Christ vivait How maintenant. How was he supposed to react? Comment il allait réagir face à ces choses? Carry on. If Christ, When Christ, who is your life, appears. Appears. Then you also will appear with him in glory. You see, if Christ, who is your life, appears. Quand Christ, votre vie, paraîtra. And then you also. Alors vous paraîtrez you aussi. You will appear with him. Avec lui. In glory. In glory. Dans la gloire. That's what we are calling greatness. C'est ça que nous appelons you know, la when, grandeur. When you are great. Vous savez, quand vous êtes grand. You are not going. Much. Vous n'allez pas beaucoup travailler. Small work. Un petit travail. Will give much result. Va produire beaucoup de résultats. And sometimes the small work you do. Et des fois même le petit travail que vous allez faire. The result you produce. Et les résultats que vous allez avoir. Will never be compared to those who are, they can take from morning from 6. Sometimes other people are starting from 3 a.m. Ne sera même pas comparé à ceux qui travaillent depuis 3 heures du matin to midnight. Jusqu'à minuit. Not even a half result of what you have done in 1 hour. Même pas la moitié du résultat que vous avez fait pendant une heure. You know when God, you see, let me, I will continue with this on Friday. Je vais see, continuer avec ça God, le vendredi. When God talks about greatness, quand Dieu parle de la grandeur, it is something that God is teaching us how to rest as we still living
on earth. Dieu nous apprend à vivre dans le repos pendant que nous sommes encore sur la terre. Because if you are much great, parce que quand vous êtes très grand, your work will decrease. Votre travail va réduire. And your result will be increased. Et vos résultats vont augmenter. This is the target of each and every child of God. C'est le but de tout enfant de Dieu. Don't wait tomorrow. N'attendez pas demain. Sit down tonight. Asseyez-vous ce soir et réfléchissez sur ça. You still have more time. Vous avez encore beaucoup de temps. You have so much in you. Vous avez beaucoup en vous. To stay stuck where you are right now. Pour rester bloqué là où vous êtes maintenant. It is not your place. Ce n'est pas votre Somebody's place. Somebody is looking at me and saying, Pastor Peter, stop your madness. Don't you know that I have 3 million in my account? That is nothing. Quelqu'un me regarde et me dit, Pasteur Peter, arrête avec ta folie. Ne sais-tu pas que j'ai 3 millions dans mon compte? Ce n'est rien tout ça. That is nothing. Ce n'est rien. God has called you to talk about millions and millions. Dieu t'a appelé. Billion. Dieu t'a appelé à parler des milliards. It is not a magic to reach that level. Ce n'est pas une magie pour atteindre ce niveau-là. Next year. L'année prochaine. Don't stay at the same level you are right now. Ne reste pas au même niveau où tu es maintenant. Amen. Not even couple of months coming. Même pas dans les mois qui viennent. Make sure you write it down on your diary. Rassure-toi d'écrire ça dans ton journal. I am tired of staying in this same place. It is now people they know that it's a place of stacking. Certaines personnes savent déjà même que c'est leur endroit, où ils sont toujours bloqués. Even yourself, you know that this is my routine. Toi-même, tu sais même que c'est ma routine déjà. It is now over tonight. Et ça finit aujourd'hui ce soir. Let me declare it for you. Je vais déclarer ça ce soir. Not anymore you staying there. Tu ne vas plus rester là au même niveau. You Amen. Have stayed there long time ago. Tu es resté là pendant longtemps. Every period of time, each year, you are passing the same crisis every year. Chaque année à la même période, tu fais face à la même crise. There are people who, when they reach after a certain period, they don't have anymore nothing. Il y a certaines personnes quand ils arrivent à une certaine période de temps, ils n'ont plus rien. And then they will catch up again. Et après ils vont se rattraper. You don't know. That is not a good life. Ce n'est pas une bonne vie. Amen. You are entertaining that life. You are comforting it. You are putting that life in a comfort zone. Et tu mets ce genre de vie, ce mode de vie dans une zone de confort. Break eggs now for you to eat omelette. Casser les œufs pour que tu puisses manger l'omelette. Push. Press on. Presse. Because you have been called for that. Parce que tu as été appelé pour ça. May God bless you tonight. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bye bye. See you on Friday. Au revoir et nous nous voyons le vendredi. Thank you so much. Que Dieu vous bénisse. Let us Merci. Pray. Nous allons prier. Precious Father, in the name of Jesus, Lord, we are so much encouraged for the word we have heard right now tonight. We need your favor, we need your goodness. Father, we need to be shifted. It is time for us to move on. We have stayed a long time at the same level, hiding every greatness that you have invested within us. Lord, it is time. We are not anymore going to fear pain for us to birth the greatness. It is time. We have decided tonight that it is time for us to go forward. To start making great things for the goodness of your name and for the testimony of your glory. Lord, we bless you. Lord, we magnify you. You are our master. You are the God of favor, God of miracles. Father, we bless you tonight as we are going out to be disconnected from this broadcasting. We are going to write down great things for us to move on in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur.